Bataille la pas facile. Mais finalement, avec un pile courage, un pile détermination, eh bien, jeudi en là, matin 26 mars 2023, un pile haïtien a célébré départ Madan La Lime dans tête BINUH. Madan La Lime ramasse paquet li pour le tourner côté le te sorti. Mais est-ce qu'on connaît Madan La Lime allé mais gon l'autre remplaçant? Bon, certaine Maria Isabel Salvador qui lui-même pral prend cette mission onisienne. Eh bien, mes amis, restez là, m'pral bon détail, puisque nous pral faire bilan Madan La Lime, ou pral connaît exactement qui ça Madan La Lime te vin régler en dedans la République. Pour première fois, président dominicain Louis Abinader li ba en vérité sous pays d'Haïti. Li ba yon gros vérité dans cadre sommet ibéro-américain que le tal participé à, il faut pile moun saisi. Pas gen moun qui te attend que Louis Abinader en parole comme ça te ka sot nan bouche li sur Haïti. Mais n'empêche que situation n'a vive journée jodi en Haïti, gen en pile doit qui tremper la gueule. Crise sécurité n'a vivant dans pays, gen un paquet l'autre pays qui impliqué la gueule, qui participer dans mettre nos côté là. Eh bien, pendant Louis Abinader a parlé, la fait gros déclaration sur Haïti, eh bien, nous-mêmes, nous pral chercher pour nous connaître qui intérêt Louis Abinader gagne réellement dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Président colombien, Gustavo Petro, lui finalement reconnaître responsabilité pays Colombie gagne dans tout le président Jovenel Moïse. Ou pral connaît exactement qui sa président colombien dit et nous pral fait ti analyse ti débat ensemble pour gagner plus lumière, pour gagner et pour gagner plus information, plus détails sur ça qui a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et dans espace libre opinion, invitez nous aujourd'hui c'est Stanley Lucas, n'a continuer par les pays, n'a continuer poser problème ensemble et garder qui ça nous ka joindre comme perspective de solution. Bonjour bonsoir tout le monde, comme d'habitude, c'est un grand plaisir pour moi avec nous, pour nous parler pays, pour nous continuer et faire débat, poser problème yo, et garder qui ça nous ka joindre comme solution. Jeudi, c'est dimanche 26 mars 2023, à profiter, souhaiter à chaque ami, yon bon dimanche, kembe même énergie de positivité, pour nous ka yon très bonne semaine, parce que nous connaissons nos besoins ça, nous besoin état d'esprit positif pour nos cas, et pour nos cas vivre pleinement la vie. Avant nous rentrer dans l'information, aujourd'hui, c'est anniversaire, aujourd'hui, il y a un ami qui a fêté un nouveau printemps. M'a profité, souhaiter à Jean Sararon, un joyeux fête d'anniversaire. Son fanatique qui l'a depuis les petits comme d'abord, mais en berigène. Jeudi, à très cher, enjoy you et continuez avec même énergie de positivité, arrêtez mon ouïa, continuez briller dans route port, dans façon port. Faites tout ça qu'on est qui positif jodi là, qui a fort sourire, m'espérez famille, m'espérez proche, m'espérez tout le monde qui cher pour vous, tout le monde cher pour vous. Jodi là, yon belle journée, yon belle toute la semaine. Et chaque ami tout qui a fait ton occasion spéciale jodi anniversaire, mariage, n'importe ça le hein? Non, non, toute équipe là n'a pas souhaité une joyeuse fête. Continuez avec même fouglan, même détermination, même énergie de positivité. Mes amis, information tellement pile jeudi en là, tellement gen moun ka parler de dossier Haïti, tellement gen rebondissement dans situation pays d'Haïti, crise politique, sécurité et États-Unis, Canada, information yon pile. Eh bien, gagné, j'en t'ai annoncé dans le commencement vidéo, gagné sommet ibéro-américain qui était organisé. Eh bien, gagné président dominicain Abinader qui était là, gagné et président colombien tout qui était là, qui a participé dans le sommet. Eh bien, moun ça a profité faire des déclarations sur Haïti. Ça parlait de situation pays de manière générale, ça parlait du dossier assassinat président Jovenel Moïse en particulier. Nous prenons regarder tout bagay ça ensemble. Président dominicain, Louis Abinader. Eh bien, yon l'autre fois encore, samedi qui s'est passé à la, l'imande communauté internationale pour pacifier Haïti. L'imande pour pacifier Haïti parce que, selon Abinader, tout tolalito, tout montée descente que États-Unis, Canada fait là, c'est temps perdu. Faut gagner une décision concrète qui prend, faut gagner un résultat qui peut être avec problème haïtien. Mais quand un pile monde t'a pral étonné, c'est le président et Abinader qui fait connaître que il a affirmé que moun sa yo qui a souffri en dedans pays d'Haïti, son paquet malheureux malheureux, son paquet pauvre vieux. C'est pas moun qui ka couri quitter pays parce que moun qui gagne l'argent yo, moun qui riche yo, yo dehors pays, yo dans l'autre nation, yo dans l'autre pays. Et si yo pas dans l'autre pays dans les États-Unis, Canada, la France, yo aller en République Dominicaine la Kaili. Moun qui viennent mettre entreprise yo, moun qui viennent faire business, moun qui viennent vivre etc. C'est comme ça président dominicain Louis Abinader dit well. Li wa moun sa yo ka vivre en Haïti. Moi même y en Haïti. So pas qu'être malheureux jouer une bagarre côté pour n'aller une bagarre relé une bagarre répondre. C'est l'état ici n'apton pour pacifier. C'est l'état ici n'apton pour porter en solution avec problème sécurité. Donc c'est comme ça Abinader comprendre situation en vivre aujourd'hui en Haïti. Oui effectivement des séries de gros nègres, gros chabrat, des séries de oligarques, des séries de nègres qui étaient dans le pouvoir, l'État, qui passent ancien ministre, ancien président, ancien parlementaire. Tout nègres qui fin casser qu'est l'État, qui fin enrichir, qui fin faire l'argent dans la corruption, qui fin faire l'argent dans le détournement, dans la surfacturation. Yo allé en pile nan yo allé investir en République Dominicaine, al faire chaîne d'hôtel yo. En pile nan yo allé investir aux États-Unis, en pile nan yo allé investir au Canada, al acheter belle cale bien passé pendant temps yo te fait dans l'État, pendant temps yo te fait dans parlement, pendant temps yo te fait à diriger l'État, c'est voler yo t'a volé, c'est gang yo t'a armé, c'est insécurité yo t'a préparé dans des gwen nou. Eh bien journée jodi an là, il est clair que ça n'a vivant dedans pays. Insécurité ça qui gagne dedans pays. Oui, c'est vrai, les plus riches d'Haïti, yo en dehors pays. Moun qui gagne l'argent en Haïti yo, moun qui planifie insécurité, moun qui finance insécurité, yo pas dans pays, yo pas vivre insécurité. C'est nous même qui vivons insécurité. C'est nous même qui dans diaspora qui gagne famille en Haïti qui vivent insécurité, qui gagne zanmou en Haïti qui vivent insécurité. Nous Ariel là c'est comme s'il va là parce que moun ça qui dans pouvoir l'État, c'est moun qui gagne relation avec gang, avec bandit qui carrelé dans n'importe qui l'était pour organiser pour gérer affaire entre eux. Donc moun ça qui dans l'État pas vivre insécurité. C'est nous-mêmes, peuple ça, nous-mêmes haïtiens qui pas rien relève, pas rien répondre, moun ça yo ka vivre dans misère, dans Cité Soleil, dans Delma, dans Solino, dans La Saline, dans Outfrère, dans Peigné, dans Torcel, dans Tabac, La Plaine, dans Pétionville. C'est nous-mêmes qui vivons insécurité. C'est nous-mêmes bandits à tuer, c'est nous-mêmes moun canards bandits à assassiner, à violer, à kidnapper. Donc insécurité oui Abinader a raison, c'est moun qui démunis en Haïti, c'est eux-mêmes qui exposés avec lui. Non parce que crise ça qui vient dedans pays, li profite à la République Dominicaine. Parce que le nèg ça ou fin voler l'argent pays, le autre dit pral vinn mettre gros entreprise en République Dominicaine. Abinader pas dit non merci non. Abinader pas dit pas pour recevoir parce que fuck économie et dominicaine nan fuck li augmenter, fuck économie dominicaine nan fuck l'argent rentrer, fuck business yo marché, fuck entreprise yo fonctionner. Donc li son avantage le gain stabilité ka voisin pour même affaires réglées. Li son avantage le gain stabilité ka voisin pour ouvrir porte pour recevoir et pour recevoir entrepreneur, pour recevoir investisseur, la caille voisin pas bon. Oui, c'est vrai, il faut pacifier Haïti. Oui, c'est vrai, on constate que moun sa qui en Haïti, c'est moun qui pas gen côté pour yo aller, qui rete en Haïti, etc. Mais n'empêche que je ne jodi, même en tant que pays voisin, même en tant que pays voisin qui t'a censé dire, nous avons un rapport de bon voisinage, ça a passé en deux dans la caille, nous, il t'a supposé interpeller, ou il t'a supposé, ou t'a supposé me demander Haïti, ou bien gouvernement haïtien, l'État haïtien, comment on fait pour m'aider ou? Qui mesure ou t'a voulu me prendre pour m'aider ou? Parce que, je ne j'en dis, autant de Abinader parler de migration, pas que Haïtien prendre sans papier la Kaili, et à cause d'insécurité, instabilité qui est en Haïti, la Kaili menacée, etc. Oui, par rapport avec migration, oui, ok, ou menacé. Mais après, le moun sa rentre la Kaili, elle travaille dans maçon, elle travaille dans champ, dans champ comme yo. Mais c'est économie, oui, elle va j'arrête. C'est l'argent elle mette dans l'économie ou davantage. Même l'autre des bagages là, il y a mauvais côté, il y a bon côté tout pour pays voisin. Donc oui, c'est vrai, moun sa yo kap subi la jodi en Haïti, faut que communauté internationale là pour une décision. Oui, faut que États-Unis et Canada suspendent passer nous notre tintin, faut que suspendent banaliser situation pays d'Haïti. Mais nous arriver là, c'est parce que dès le départ, pas de jambes, une certaine velléité, nous n'avons pas de volonté vraiment pour aider Haïti. Il n'y a pas de volonté réelle pour aider Haïti. Parce que sinon, si tu as une volonté pour aider Haïti, Madan La Lime, journée jodi, qui en fait de mission, qui quitte tête BINUH, côté une certaine Maria Isabel Salvador, qui prend tête mission onisienne, qui prend vini, qui gérer BINUH, eh bien, yo t'a respecté ça yo gagné comme engagement, ça yo prend comme mission. Yo t'a respecté ça yo gagné comme feuille de route en dedans BINUH pour aider Haïti. Qui sa mission BINUH? BINUH fait qu'on est yo gagné mission. OK, bon partager avec nous mission. Renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, y compris l'état de droit. Pour combien de temps Madan La Lime fait dans tête BINUH? Est-ce que gon stabilité politique? Au contraire, au lieu d'une stabilité politique, au lieu de entente consensus qui joignent entre opposition et pouvoir président Jovenel Moïse qui était là à l'époque, c'est pas dans BINUH là, c'est pas dans Madan La Lime là. Toute tentative coup d'état faite, c'est pas dans Madan La Lime là, assassinat président fait. Moun qui te gen intérêt politique tout profiter joindre solution avec problème yo dans pouvoir jodi an là, moun qui t'a gérer intérêt économique yo continuer faire millions sous le pays yo. Donc là on comprend noir sur blanc question renforcer stabilité politique là, bonne gouvernance et état de droit pas respecté. Là noir sur blanc BINUH Madan La Lime qui était dans le pays, li manquer avec ça yo te prend comme engagement vis-à-vis de peuple haïtien, vis-à-vis de l'état haïtien. Deuxième mission. Préserver un environnement pacifique et stable, y compris en appuyant un dialogue national inclusif entre les Haïtiens. Pour date dialogue à fait, pour date consensus à joindre, mon pas j'entends de global. Consensus largement large. On a encore 11 septembre. OK, Ariel réunit là avec 2-3 600 000, aussi on a encore en septembre. Un petit temps après, on a encore 21 décembre. Jusqu'à présent, intérêt politique nèg yo, yo pas jamais caralier pour yo rester Haïti avant tout. Chaque nèg bon intérêt politique parce que intérêt nèg là c'est rentrer dans pouvoir faire l'argent aller. C'est pas un intérêt pays. Donc là encore Madan La Lime échoué, BINUH échoué parce que l'on parle de river, faciliter dialogue, faciliter compromis et puis c'est ça nous gagne comme résultat. C'est ça nous gagnons comme dialogue politique ou bien comme pouvoir de l'État. N'a demandé qui ça Madan La Lime, qui ça BINUH et entendre pour faciliter consensus. Faciliter et consensus inclusif, dialogue inclusif, etc. Inter-haïtien. Donc là encore échoué. Et nous allons finir avec troisième émission, protéger et promouvoir les droits humains. Est-ce que protéger avec promouvoir droit moun, li vle di, on paquet nèg exam, fédéré gang en Haïti, même gang ça ou pral massacrer moun, même gang ça ou pral touyer moun, même gang ça ou pral faire viol collectif, pral violer femme actifi, même gang ça ou pral touyer, pral racher, pral bouler, pral mettre du feu, pral enterrer même victime yo pran avec yo. C'est ça qui favorise les facilités droit moun non? Qui ça qui droit moun pour yo? Nous pas gen accès à sécurité. Nous pas gain liberté de circulation, nous pas gain liberté de mouvement nous pas calvaquer activité nous la caille nous pas en sécurité, nous dans travail nous pas en sécurité, nous dans l'école nous pas en sécurité, nous dans l'église nous pas en sécurité, droit nous pas respecté, nous pas cal l'école, nous pas gain accès à travail, nous pas gain accès à logement, nous pas ca manger, nous pas gain loisir. Même voter nous pas ca voter parce que nèg yo pas planifié pour yo faire élection dans pays, yo mettons gang, yo mettons insécurité cap finir avec pays, cap brasser la société. Donc là nous t'a vraiment remet connait qui ça Madan La Lime devine régler. Qui ça Nations Unies te gen dans tête li, là yo t'a metté campé BINUH. Est-ce que ça yo présenté comme mission? Est-ce que ça yo présenté comme support t'a ba institution républicaine dans pays? Est-ce que c'est lui même réellement devine fait? Ou bien, dans feuille de route BINUH, c'était river fédéré gang, reconnaître important G9, reconnaître ceci, reconnaître cela, faciliter, on présume criminel dans tête primature, dans tête l'État. Qui ça bagaille en rien exactement? Qui ça va la tarouiller exactement? Eh bien, je dis, faut que nous, même en tant qu'Haïtiens, nous d'accord que Madan La Lime li échoué. Faut que nous d'accord que BINUH pas de régler en merde. Et par rapport avec situation ça, s'il le faut que nous porter plainte contre institution, contre instance que l'on dirige, contre lui-même, même en tant que personne, pour nous garder comment nous consulter des avocats, consulter et des cabinets d'avocats, pour nous garder qui ça suivi au cahier. Parce que journée aujourd'hui là, le fait que en pile nèg ça qui censé gon responsabilité vis-à-vis de peuple haïtien, vis-à-vis de pays, yo croisé bras, y a gardé haïtien qui mourir, y a gardé gens y a violé femme activiste, y a gardé gens y a assassiné, gens a kidnappé. J'ai appauvri, nous avons droit de porter plainte contre nous avons droit de poursuivre. Soit parce que vous participez activement dans le crase des pays, dans fait nous tort, dans fait nous abus, ou bien vous participez de manière passive, inaction, vous croisez bras et vous regardez. Nous avons droit de porter plainte contre vous. Nous avons droit de réunir des preuves pour nous porter plainte contre vous. Parce que journée aujourd'hui, c'est même gens nous ouais dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est même gens nous ouais dossier apprenez, c'est même gens nous ouais la justice aux États-Unis a fait avec dossier. Donc nous avons tout intérêt aujourd'hui là pour nous débattre sur ça qui est important pour nous, sur ça qui est censé et constituer ce même pays. Valeur nous en tant qu'Haïtiens pour nous porter problème au côté nous doit porter. Eh bien, il y a un président dominicain, un président colombien, Gustavo Petro, qui a affirmé que pays la Colombie senti li co-responsable de l'assassinat président Jovenel Moïse, yo co-responsable de déstabilisation qui gagne dans le pays. Effectivement, depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, nous bon pays qui a genou. C'est les pas bon par là, on va dire pas monter bon. Non, nous participer dans crason pays, nous participer dans mettre pays à genoux, faut que nous assumer responsabilité nous. Nous pas prendre parole dans mais aucun dirigeant le pays. Écoute, Colombien yo te gon côté yo sorti. Yo pas en rete yo tomber Haïti. Yo sorti Colombie passer République Dominicaine atterrir en Haïti. Journée jodi est-ce que information ça disponible pour l'état haïtien? Est-ce que parcours colombien yo, relation colombien yo, est-ce que toute information ça disponible pour aider enquête sur assassinat président Jovenel Moïse? Faut que nous passer de la parole aux actes. Oui ou co-responsable etc. Oui colombien c'est dans pays yo. Mais président qui était là avant Iván Duque, qui ça te fait? Qui ça te fait pour t'aider l'état haïtien? Qui ça a été fait pour te aider, commissaire du gouvernement qui était là à l'époque, Bédoufan Claude, qui t'a montré qu'il était de bonne foi pour enquêter, pour chercher information, collecter données sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Il te travail de concert, il te bail information, non. Et puis, journée jeudi, et Iván Duque est allé, Gustavo Petro vini, et puis, comme si de rien n'était, co-responsable. Co-responsabilité, ok. Ou partager responsabilité avec les mercenaires colombiens, mais après, les actions. Et condamnation, et jugement, et sanction, on partager tout. On nous pas prend haïtien pour macaque, non mes amis. On nous pas prend peuple haïtien pour macaque parce que nous pas égaré, nous pas macaque et nous pas prend dans bluff non mais aucun monde qui veut détourner attention non. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est un dossier qui est extrêmement sensible et nous même d'autant lumière par ce dossier, faut nous target nèg yo, faut nous rester connecté pour nous chercher information. Eh bien dans quatre dossiers et nous allons recevoir Stanley Lucas tout à l'heure. Mais Stanley Lucas écrit un petit texte qui est vraiment intéressant, qui a teasé et attention, moins qui a attiré, mais nous allons parler sur ça. Assassinat président Jovenel Moïse, gars Jean Blanc Miami, parce que capacité haïtienne en bêtise. Blanc globaliste corrompu, mettez à oligarque et politicien assassin pays d'Haïti pour tuer 58e président d'Haïti, Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Opération touye président Jovenel Moïse coûte $20 millions. Depuis assassinat 7 juillet pour arriver jodi et était depuis 24 mars bon 2023 côté blanc pensé il était ka fait théâtre dans tribunal Miami pour haïtien yo pensé qui égaré yo ouais jojo croque pirèd nan gorge blanc ça yo. Depuis le commencement les juges Miami te classé kakachat sous assassinat secret. Haïtien te gen tan wè en bas yo. Rivé sous deal y a fait par en bas tab. Rivé sous deal y a fait par en bas à Kodol Jor qui tap travail pour blanc yo. Haïtien wè kou kap pari ya. Ale wè pou les juges sa mandé avocat défense pour faire silence sous causer employé l'État blanc qui impliqué. Haïtien pas quoi dit tout dans théâtre et montage qu'a fait dans tribunal Miami sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Côté gros blanc ak oligarque qui impliqué dans tout président Jovenel. Côté gros blanc ak oligarque qui impliqué dans tout président Jovenel Moïse. Comme si blanc yo pensé nous t'a valé petit poisson qui participait dans tout président et puis oublier oligarque ak blanc qui impliqué dans crime non. Blanc qui te comprendre, yo te ka monter n'importe qui jan sou Haïti, qui se Choal Saint-Jacques prend coup. Depuis 1804, Haïti c'est Tibois ou pawe qui pral PTG blanc. Ouais pawe oligarque ak blanc qui participe dans tout président Jovenel Moïse, gen pou en bas code quand même. Donc moi li texte pour vous et maintenant nous pral font ti parler avec Stanley Lucas. Li pral répondre quelques questions nous gagne qui très important qui pourrait nous comprendre plus bien dossier assassinat président Jovenel Moïse et fin mission Madan La Lime pourquoi pas nous pral parler sur ça. Bonjour Stanley et comme vous espérez en forme bienvenue dans l'espace libre opinion nous pral continuer par le pays nous pral continuer par les politiques et dans moment là il y a des dossiers extrêmement importants c'est dossier assassinat président Jovenel Moïse suite avec et mise en accusation de Rodin Jorler et puis je dis à la c'est cette mission Hélène Naline côté au pral remplacer. Comment est-ce que eh bien toujours fidèle au poste n'a goumé contre méchant yo. La bataille la bataille pas gain autre option non. Mais avant de commencer et avant de recevoir là, et gros texte que tu partagé avec nous que moi t'a partagé avec auditoire là. Et côté que nous parler de assassinat président Jovenel Moïse, garder Jean Blanc, Miami penser yo ka passer haïtien dans bêtise. Et ça là moi petite question pour moun yo l'impression t'a bien mais et comprendre. Ou même personnellement, qui différence ou fait blanc Miami et la justice américaine dans le dossier Jovenel là? Qui différence moi fait entre? Et l'on parle de blanc Miami, qui ça veut dire pour vous? Et la justice américaine, qui ça veut dire pour vous dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là? Et pour comprendre une dimension texte et vous devez gagner une appréciation et connaissance de politique américaine. Et le conseil de bagaille qui est international, il est classé au secret pour les gens qui sont dans le cacachat. Par exemple, je joue un jour dans l'assassinat kennedyen, pour un paquet de dossiers qui ont un secret. Parce que quand il y a des gens qui disent que CIA impliqué dans tout Kennedy, c'est l'analyse qui est faite dans la presse américaine. Donc, si elle publie information qui montre que CIA impliqué dans tout Kennedy, il va créer gros problème. Donc, pour intérêt national, jusqu'à présent, ouais, combien de temps passé, conseil de dossier qui classé secret. Dans le cas président Jovenel Moïse, c'est même bagaille. Le procès a commencé Florida. Une bagaille pour remarquer, c'est que un premier juge qui classait un ensemble de dossiers secrets pour que Kakachatio pas sorti. Parce que commencé à sortir. Dans le temps procès, l'autre juge qui venait encore, en fonction d'intérêt national, il classait secret une série de dossiers que avocats défenseurs ont accès à eux-mêmes. Et pas seulement qui vient montrer aux contradictions. Contradiction yo, c'est qu'on comme d'adou, un barrage qui contrôle la donne, et puis trois bines, puis grand barrage à le craser, après c'est qu'un bel barrage là. Pour qui ça nous dit ça? Bon ensemble d'éléments qui permettent nous éclairer. Premier élément, dans la conversation téléphonique entre Marie-Louise Gauthier, inspectrice générale de la police pays d'Haïti, c'est là que le crime a commencé le 7 février 2021. Et pour qu'on soit clair, dans ce qui passé 7 juillet, obligé de tourner avant le 7 février 2021. Dans la conversation téléphonique, Marie-Louise Gauthier, inspectrice générale de la police, il dit Dimitri Ra, il recevoir l'autre département d'État pour le président. N'importe monde qui a sur YouTube a le temps des conversations téléphoniques. Ça. Deuxième élément, soit sous compte Twitter de Joël Joseph, il dit clairement que il recevoir l'autre département d'État. Dans le pour deux. André Ago, il n'en est qui ici aux États-Unis, il n'en est blanc impliqué dans tout le président. Lui-même, il dit tout que s'il n'a pas de un feu vert, le gouvernement américain, il va pas impliqué dans tout le président. Arcángel Pretel Ortiz, qui travaille pour FBI, c'est là, nous avons parlé de 18 mois assassinat président avec ou là. Nous demandons qui j'en FBI pourquoi arrêter Arcángel Pretel qui est impliqué dans tout le président. 2 semaines après interview, ça, ouais, vous mettez l'embargo. Et Arcángel Pretel a travaillé pour FBI, il est impliqué dans tout le président. Dans le bout 5. 21 milliards, Berman, 10 mêmes bagailles. Donc voilà 6 mondes différents. OK? 2 qui en Haïti, 4 qui aux États-Unis, qui bon 6, qui Douque, si vous ne pouvez pas recevoir l'autre département d'État, vous ne pouvez pas l'impliquer dans tout le président. 21 mois après Jodia, FBI pourquoi arrêter? Personne dans FBI, ni dans le département d'État qui est impliqué dans tout le président. On a le bout 6. Le 12 février 2021, pardon, le 12 mars 2021, 4 mois avant le tuer président, ancien ambassadeur américain paraît devant la Commission Affaires étrangères, Congrès à Palmyra-Hawaï. Il dit qu'il faut remettre le président de côté, pratiquement éliminer le président, remplacer le bon premier ministre. Les gens qui non premier ministre, mais le Bakabay, il est là devant tout le monde dans l'audition. FBI, pourquoi arrêter Palmyra-Hawaï? Dans le poussette. Donc, l'organe du contexte général, là, dans l'implication tout les président, Walbrun et Hélène Lani, qui sont diplomates américains, tout, qui n'ont tête BINUH. Madame n'a pas de capable au courant que vous allez tout le président. C'est soit l'impliquer directement dans tout le président, ou bien, tant que vous conspirez, l'équité crime en fait. Donc, je ne dis pas, les concours qui ont fait dans le tribunal de Miami, ils présentent un petit gratteur, tant que Rodolja, que tout le monde dans le pays d'Haïti connaît pas un cop. C'est son tapo qu'elle était toujours hier avec Dimitri Vob. Nous avons une photo tapo qui a côté le chita avec Dimitri Vob. Nous connaissons pas un cop. Nous connaissons quantité d'argent que l'opération ça a coûté. Avec dit monde Capsot Colombie, monter Saint-Domingue, moun Capsot Colombie, passer Panama, monter Saint-Domingue, moun qui fait Saint-Domingue Haïti, moun qui fait Haïti Miami, moun qui a été souterrain pendant plusieurs mois, qui a payé salaire, qui a payé l'hôtel, qui a payé machine de location. Donc, regardez la quantité de corps que l'opération ça a coûté, ni gratter que les Rodolja qui travaille pour le gouvernement américain, au papier, sont informateurs du gouvernement américain qui est lié. Et monsieur fait ça, l'on plie d'il, elle dit l'entendre ni tout ça pour se procurer, elle dit la petite jeune. C'est ça, ça veut dire plie d'il. Donc, regardez comment que l'opération a coûté, regardez dimension opération ça, si Rodolja, si pasteur qui impliqué dans tout hier, pasteur ça non, n'est-ce que ça a trop petit pour monter un crime comme ça. Donc, il faut blanc va venir passer moun dans bêtise. Donc, blanc pourquoi arrêter moun dans département d'État qui est impliqué dans tout le président. Blanc pourquoi arrêter moun qui dans FBI là qui tout le président. Ou des vidéos ça de Rising qui dit que New York Times découvrit que yon nan moun qui t'a financé l'opération pas t'a rentré là dans si gouvernement américain pas de bail feu vert. Ou des vidéos tout côté Congrès maintenant pas gain 2 semaines de ça dans mi-temps Congrès américain pour audition. L'idée a un bagage illégal pour les États-Unis à le président à l'étranger. L'idée a un bagage illégal pour FBI à payer $3,200,000 pour participer dans un assassinat illégal. L'idée a un bagage illégal pour un groupe mercenaire pour aller si un président à l'étranger. Et puis, monsieur, c'est exactement ça FBI fait. Donc, je ne dis pas, dans le temps blanc, gongez fort pour prendre 6 poissons, pour faire nous comprendre que ces petits poissons rases qui touillent le président. Gros autobré dans le département d'État, dans FBI, qui tout le président, il n'y a pas qu'à douli. Et une autre bagaille nous découvrit, nous cherchons. Nous venons que le président Biden, avec le secrétaire d'État Blinken, tape couru président Jovenel Moïse jusqu'à un mandat le 7 février 2022. Donc, question qu'on doit poser tête dans le type d'État là. Ça veut dire conseil de gros emploi et l'État américain, au lieu de prendre l'autre. Dans mes chefs hiérarchiques, c'est non gros blanc qui a une puissance politique et puissance économique qui d'ailleurs qui prend l'autre. Il y a deux questions pour que mon Miami réponde qui a essayé de cacher là. Côté mon département d'État et FBI qui participe dans tous les présidents, il faut que réponde à ces questions pour ne pas comprendre que nous-mêmes c'est égal, qui ne pas comprendre ce qu'on a fait là. Deuxième question pour répondre, qui gros blanc qui derrière mon département d'État et FBI qui participe dans tous les présidents, il n'y a pas cacher des questions ça. Stanley, mais par rapport avec tout argument on se présente là, est-ce que nous pas ta plus rentrer non? C'est pas des arguments non, c'est des faits que nous prouvons. Nous avons des éléments pour eux. Par rapport à capacité audio, Marie-Louise Gauthier, le département d'État. Arguments sont comme si on réfléchit dans tête tout. Ça me saute là, c'est des faits qui vérifiables. Et oui, Stanley, on va avancer. Et ou anticiper sous question de pour poser là. Par rapport avec tout fait ça qui présenté là. Et est-ce que nous pas plus non concept, est-ce que selon vous-même vraiment nous pas plus non concept de deep state là côté c'est monde qui en dehors de pouvoir américain de l'état américain qui planifie assassinat ou bien ce bagage qui vient pour qui tagué pour directement avec des séries de gros bras dans le département d'état américain qui ont même planifié, ont orchestré tout bagage ça. Et l'assassinat Kennedy a deep state là tout Kennedy. Dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est quelques blancs qui sont dans le département d'État, qui sont dans le FBI, qui sont impliqués dans tous les présidents, ils sont liés avec une ou plusieurs blancs puissants qui parlent dans l'État. C'est qui est-ce qu'il y a? Il y a plus de monde qui suspecte qui est-ce, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas spéculer. Donc, c'est qui est-ce qu'il y a? Blancs qui ont un gros contact dans l'État. Parce que si vous avez un audio dans l'audition 12 mars 2021, côté Madan, ambassadrice la Palme la White a dit faut mettre le président de côté pour remplacer le bon premier ministre. Il fait partie du réseau. Donc, qui l'autre monde dans le département d'État et dans le FBI qui est impliqué dans tous les présidents? Dans le Deep State là, ou si tu n'as pas oublié, Deep State là, c'est mon camp dans l'État qui prend l'autre dans même blanc puissant qui part dans l'État. Et il était tout le président Kennedy. Aux États-Unis, Deep State là impliqué dans tous les présidents Jovenel Moïse. Qui est dans le département d'État et dans le FBI, qui tout le président, blanc, dans le procès qui a fait Florida, il a essayé de cacher ça. Qui gros blanc, qui derrière, blanc département d'État et FBI, qui impliqué dans tout le président, dans le procès qui a fait Florida, le procès de la honte et le procès bâclé, ils comprennent qu'ils ont caché ça pour nous comme haïtiens. Mais qu'on y a Stanley Code, procès de la honte, procès bâclé. Même ici, aux États-Unis, il y a des gens qui ne sont jamais là, qui est-ce qui tout le président Kennedy, jusqu'à ce qu'on vienne découvrir que CIA est là-dedans, c'est même bagaille là pour nous, nous pas doué là, il faut ben nous qui est dans le département d'État dans le FBI et qui gros blanc pas dans l'État, qui caché derrière, caltouille président, nous sommes président Biden avec secrétaire d'État Blinken pour courant. Eh bien, je dis par rapport avec situation ça, malgré gain encore qui passe entre Rodolphe Jean avec le gouvernement américain pour cacher des informations sûrement, etc. Mais on nous garde réalité à Jean Lier. Le procès fini, jugement rendu, c'est au nom de la justice américaine. Est-ce que ou même ou quoi jusqu'à présent que la justice américaine est efficace sous le dossier Jovenel Moïse, sous le dossier assassinat président? Bon, on dit bagaille. Et dans le cas Kennedy, il y a un paquet de chiffres qui fait couvrir ça qu'a fait. Et dans tout chiffre qu'a fait, et dans le cas qui fait couvrir ça, dans le procès Kennedy, et jusqu'à présent, et américains ont cherché qui est-ce qui a assassiné le président Kennedy. Nous-mêmes, nous avons fait et théâtre qui a fait Miami. Nous, tout le théâtre qui a fait. Et il faut nous joindre qui blanc, qui participe, qui n'a FBI, et qui n'a département d'État, qui participe dans tous les présidents, et qui gros blanc, qui a intérêt dans le pays d'Haïti. Qui a assassinat dans le pays d'Haïti, nous avons une réalité déjà. Et à 95%, nous comptons qui est-ce qui touille le président, malgré le blocage institutionnel qui est fait après le 9 juillet. Parce que les gens qui yo fin touye président le 7 juillet, peuple a mari, soldat Colombio, peuple a tap cherché 7 juillet, Voba à Boulos qui te gen tan kouri al kache à l'étranger. Le 9 juillet, la justice fait mandat pour arrêter Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob et Gertie Blaise, Steven Benoît qui impliqué dans touye président, Kissa Oligak qui impliqué dans touye président fait, yo prend avocat Dimitri Vob là, avocat Sogenet, Beto dossier, yo mettez le ministre de la justice pour ta faire tout dossier ou disparaître. Dès que pareil ici là-dedans, yo échoué tout. Haïti que non, cassé fait couvrir ça. Quel en Haïti, quel ça cap fait? Pour cette de la honte cap fait là en Florida, nèg yo pas cassé fait couvrir ça, yo mettre faire ça ou voulez, yo mettre prendre décision que ça ou voulez, yo pas cacher la vérité. Mais je ne dis en Stanley, il y a des séries de monde qui sourit zoa. Il y a des séries de bon, il y a des séries de journalistes et qui sous réseau qui yo même yo vinn avec des informations bah qu'on est côté ou sorti avec lui on t'a fait quoi que assassinat président Jovenel Moïse yo t'a lié directement c'est président Martelly là dans lui pour en question de drogue pour en question de l'argent et qui sort de ça bon ça fait partie de 5 composantes et opération clandestine qui touye président ou qu'on est local son spécialiste en sécurité nationale, opération clandestine, il y a 5 composantes. Première composante, c'est Mounacop et pour faire opération pour tout le président. Deuxième composante, c'est infiltration. Ouais, comment il a infiltré chauffeur président, il a infiltré et palais national avec tout service de sécurité, il a infiltré commandement de la police. Troisième composante, c'est exfiltration. Avait dit que soldats colombiens qui ont été entrés en Haïti, les ont fini touyer président comment pour exfiltrer pour pas même au courant et que c'est eux mêmes qui deviennent touyer président. Peuple a marre tout. Quatrième composante là c'est propagande pré-opérationnelle. Ou qu'on nomme touyer président, ou fait marcher dans la radio, Jean monsieur sont criminels, Jean monsieur ceci cela dans l'espoir que peuple a pour là-dedans l'ont fini touyer pour peuple a battre bravo. Le 7 juillet, nous avons propagande pré-opérationnelle là, échoué, parce que ces peuples qui sortent dans la rue, ils ne pas dans sa négociation, puis mari soldat colombien, ils ont cherché au Liga qui touille le président. Cinquième composante là, c'est propagande post-opérationnelle. L'offre touille président, comment pour ça le cadavre. Premier élément, propagande post-opérationnelle là, c'est 54 millions, et ils ont le président, tout le monde vient ouais, c'est menti. Deuxième menti que vous avez là, et soit fait droit qui t'a réglé. Tout le monde vient découvrir ces mentis. Troisième bagaille là, yo touye président parce que le talent qui, parce que la PCE fait contact avec la Russie. Dans 34 pays qui gagnent en Amérique latine, il y a 28 qui gagnent relation avec la Russie. Yo pas jamais touye président ni premier ministre la caille. Et quatrième non, Martine a une question pour répondre. Léo certificat médical Martine qui prend balle, qui n'est que te chercher touye tout, yo obligé à l'ombac. Après ça, vient d'où Martine, tout le monde vient ouais ces mentis. Donc, jusqu'à présent, là, pendant que je parle avec vous, la propagande post-opérationnelle, là, a continué pour faire diversion. Mais les gens qui sont à l'école, les gens qui sont logiques, les gens qui sont rationnels, les gens qui ont un background académique et qui focus sur justice pour le président, connaît ça fait partie, on va continuer à faire mentir ça toujours pendant mois qui viennent pour essayer de caractériser. Avantage que nous gagnons aujourd'hui, nous pas gagnons sous Dessaline. Sous Dessaline, les oligarques qui ont fini tout le président, ils ont contrôlé la presse, ils ont pris contrôle du système politique, là. Ou pas de cabaler de Dessaline pendant 50 ans. Fois ça, yo chiré. Et Stanley, dernièrement là, nous avons DCPJ mettez et nous voit avis de recherche dehors. Et dans avis de recherche, ça, vous avez mettre yon l'autre avis de recherche de Vitel'Homme pour implication présumée l'italien dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Est-ce que selon vous-même, et avis de recherche ça, li lié directement avec relation que Vitel'Homme te gagne avec opposition politique de l'époque là? Et est-ce que ça tout, li pral permettre nous lier opposition politique là et actuel premier ministre Ariel Henry avec assassinat président Jovenel là? Est-ce que ça, li pas un moyen tout pour nous garder relation bien connectée qui gagne et en différentes catégories moun tout qui participaient dans l'assassinat président? Bon, question proposée a 2 composantes. Et première composante là, c'est que effectivement, et à travers témoignage, Félix Badio Joseph fait dans la radio, côté lui fin dit, il prend toute responsabilité ça pour nèg yo, pas gen moun ka pral sacrifier, Ariel va pral sacrifier. Donc Badio non seulement dans révélation que fait, confirme le TK président et dans matin qui a tué président était là. Nous confirmons tout que, à travers l'enquête commissaire Bédoufan Claude fait, que Ariel t'a coordonné dans le téléphone avec Félix Badio Joseph, pendant que même Ariel Henry ça, dans le début enquête sur l'assassinat d'un journaliste américain, il va jamais parler, qui est le Jack Johnson, il va jamais parler avec Badio Joseph. Nous venons découvrir ces mentis, nous venons découvrir tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat. Nous venons découvrir tout, à partir de témoignages, Vitel'Homme Innocent, Ariel, t'es qu'on dans Réunion, dans El Rancho, dans Caribbean Center, quand député Delma 75 ans, avant et après, le président Jovenel Moïse. Nous te promettons, pour Vitel'Homme Innocent, chef gang, qui a investi dans l'opération que tu as faite là, nous te promettons, il est au fin de président, nous te parlons de direction générale, nous te parlons de mérite à bala, et nous te parlons de propre cash. Et nous, au courant que comment, sous l'ordre, Ariel Henry, secrétaire général du Palais national, là, Josué Pierre, lui, t'es invité. Vitel'Homme Innocent vient non réunion dans le Palais national, il n'est pas allé sa avocat qu'il dévoye. Donc, relation entre Ariel Henry et Gangyo, relation Ariel Henry et Vitel'Homme Innocent qui est impliqué dans tout le président, relation Ariel Henry avec Félix Badio Joseph, il est établi. C'est pour ça, next, il y a un problème pour Ariel Henry. Qui ça le fait? Les juges unités, ou c'est Voltaire qui mettez sous dossier pour faire un travail politique, sacrifier quelques monde et innocenter gros autobreaks qui impliqués dans tout le président, eh bien, ils ont fait monsieur font papier que Walter ou c'est Voltaire fait pour Ariel Henry, c'est pour aller exécuter Félix Badio Joseph avec Vitel'Homme Innocent. Parce que nous mettons une équipe spéciale de 30 hommes, côté au joint Badio, côté au joint et Vitel'Homme Innocent, pas mener le vivant tout il. Même Jean Sararon était fait avec Oyel Jean. Il était fait tout il pour ne pas parler. Donc, je ne dis pas, juge a fait un travail politique pour Ariel, avec que M. Baye la police, soutien légal pour aller tuer deux témoins innocents que ni Américains, ni Haïtiens pas doivent tendre. Ils doivent mener cadavre. C'est le premier élément. Deuxième élément, et tout le monde connaît que, en fonction d'enquête, New York Times fait, en fonction du développement qui est en fait dans le pays, pour gens qui ont assassiné, il y a un monde qui est impliqué dans tout le président pendant qu'il était dans la prison Gilbert Dragon, tout le monde connaît que l'implication Michel Martelly à Beaufrel, Kiko Saint-Rémy dans tout le président. Nous connaissons que toute sécurité qui était derrière le président, c'est Martelly qui était metté. C'est eux qui livré le président. Donc, je ne dis pas, bagay ça est très clair. Et c'est pour ça, casser faire couvrir ça, c'est pas seulement Miami que lié, Negio, il y a deux témoins gênants là, qui étaient associés Negio dans tout le président, qui c'est Félix Badio Joseph, et avec Vitel'Homme Innocent, Nexayo, il y a besoin que Nexayo en batte. Et c'est pour ça que le juge l'en fait papier, et en fonction du papier que le juge l'en fait, il mette nous voir à vidéo recherche. Donc, les gens à vidéo recherche, les gens prennent, et puis tout sont illégales qu'elles liées. Et même si son exécution que le bras lié. Juste pour vérité, à bas près la rue. C'est ça. Stanley, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, bon, bien avant d'avoir été assassiné président, tu as un paquet de belles projets que le président Jovenel Moïse était entamé, le projet a été commencé. Et parmi eux, Constant et Germoplasme, nous avons eu la chance de visiter. Et m'a regardé des séries de projets qui étaient utiles au pays, à côté que yo fait plan, yo fait au paquet de plans pour yo bail paysage planter. Et depuis après l'assassinat président, tout bagaille ça yo campé. Gouvernement Ariel Henry a pas continué rien là-dedans, yo pas fait rien. C'est bagaille qui a resté là, qui a gaspillé l'argent l'État, qui a gaspillé qui perdu. Et nous avons partagé avec le public là. Et deux, trois autres projets d'envergure qu'on est que le président Jovenel Moïse était mis campé. Et que depuis le réel monté là, c'est, li file de bayo, li pas continuer en rien, li pas faire rien, qui pour ta aider moun sortir dans condition misère que y a vu aujourd'hui là. Bon, merci pour question ça à proposer, parce que complot n'est pas un complot contre Jovenel Moïse, c'est un complot contre le peuple haïtien. Li prend nous à peu près 21 mois pour venir clairement que complot, c'est un complot contre le peuple là. Est-ce que le président Albat a commencé à bâtir un canal sous rivière Massacre là? Canal ça a permettre le pays d'Haïti d'user 3 départements géographiques pour gagner plus production agricole. Et puis, regardez le canal qu'il a commencé à Ariel laguer ça. Et puis, c'est Zep qui a poussé là-dedans. Ou est-ce qu'on complot contre paysans et on prend un complot contre la production agricole et un complot contre le peuple haïtien. Le président fait barrage Marion. Tout le monde connaît que ce barrage a fonctionné. Les gens l'appli, il faut ouvrir Vanio pour que quelqu'un ait de loi, mais en même temps distribuer l'île pour ne pas péter le barrage qui fait là. Qui ça n'est que fait? N'est que clé des vannes, vous voyez clé au Port-au-Prince. Donc les l'appli commence à tomber. Et pour ne pas ouvrir vannes pour de l'eau à circuler, il va péter le barrage là. C'est pour montrer au complot que n'est que fait contre le peuple haïtien. Gon usine 60 mégawatts qui paraît depuis mois de juillet dans Carrefour, qui te doit bailler mon Carrefour courant et mon Port-au-Prince courant. Depuis mois de juillet, qui ça n'est fait? Dimitri Vob mettait un ancien employé et Sogenet et Wall Morose, directeur général EDH. Et puis, Centrale là-bas, j'en inauguré. Et puis, 12 millions de dollars américains, Dimitri Vob recommence à venir joindre chaque mois. Même j'en tourne en port de paix. Président Tekentan fini en centrale électrique. Qui t'a alimenté dans le courant 6 communes dans le département nord-ouest. Dimitri Vob fait Ewol Moros Campel, même bagaille au Cap, on montait tout neuf que vous mettez pour te bailler moun au Cap courant. Son grain bagaille pour te faire, c'est synchroniser, on va qui t'a pris 2 semaines. Et vous ne synchroniser. Vous faites même bagaille dans le douane, dans la Tibonite. Président a installé un paquet de sections communales côté gain de l'eau, mais paysans n'ont pas joindre de l'eau. Des conseils de pompes qui fonctionnait à énergie solaire là, qui pour pomper de l'eau pour permettre paysans à vous étaient. Toute pompe y a pourri à terre. Président, te commandons paquet de tracteurs, grédins, matériels lourds pour faire route dans chaque département géographique. Nèg yo kite tout matériel ça au campé, c'est pas pièce qui a venu. Donc là ouais, méchanceté que nèg yo fait, son complot contre peuple haïtien et c'est oligarque Pétionville. Michel Martelly, Ariel Henry, à tout gouvernement qui vous mettez à qui nan gang. Ariel Henry, non seulement impliqué dans tous les présidents, il nan gang. Ministre de l'Intérieur, dans kidnapping, nan gang. Ministre de la Justice, dans trafic d'armes, nan gang. Ministre de la Défense, à porter corps by gang. Et secrétaire général palais national, nan gang. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous faisons proposition. C'est même ça, côté que pour craser l'insécurité et pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel, nous présenter un plan de 9 points. Premier point, faut que dans tête l'État ou retirer nèg qui nan gang yo ou mettons leadership qui pas nan gang. Tout autant ne pas faire ça, pays a pas aller aucun côté nan. Premier point plan, faut qu'on gagne dans tête l'État un leadership politique qui pas nan gang. Faut nous voyer moun qui là aller et mettre des moun qui pas nan gang. Deuxième point, faut et selon même comment yo ka déterminer moun sa yo, comment yo ka choisir moun sa yo. Bon, moi-même on aime toujours pour le respect de la Constitution, donc nous proposons une formule simple et originale qui est constitutionnelle. Constitution, nous consacrons l'offre un président, ou pas qu'à mettre un nouveau président tout autant que le peuple a pour voter. Celle qui ont été faite, c'est sous le Parlement, ou t'as mis un président provisoire, t'as une élection de deuxième degré dans le Parlement, on pas qu'à faire ça. Donc son premier ministre vous mettez. Donc moi-même, ça me propose, c'est que chaque département choisit 2 personnes, on forme un garçon, 10 départements à bord, 20 personnes. Dans le temps, 20 moun ça a choisi premier ministre là avec 18 ministres. Grain qui était à Sylvain Job dans l'État à Bali. Deuxième point, son stratégie intégrer l'État pour combattre gang yo, écraser gang yo. La police pour contre pas jamais écraser gang yo. Ça veut dire stratégie intégrée. Lorsqu'il y a un gouvernement qui part dans gang nan, stratégie intégrée après gain là-dedans. Le Conseil supérieur de la police nationale, le ministère de la Justice et le commandement de la police avec les 18 juridictions côté qu'un commissaire gouvernement substitut du gouvernement qui va entrer dans la lutte contre le gang, le ministère de l'Intérieur avec service d'intelligence et collectivité territoriale, ça veut dire délégué pour le gouvernement contre gang, vice-délégué pour le gouvernement contre gang, magistrat Kazek pour le gouvernement contre gang, le ministère de la Défense et commandement l'armée. Donc là, on met des stratégies intégrées ça ou entrer dans le troisième point. Troisième point plan, on constitue une unité spéciale de 4000 hommes. Là, il y a 1000 soldats là-dedans avec 3000 policiers. Unité spéciale de 4000 hommes, ça, on va le bali, nous entraînement spécial pendant 21 jours. Tout ça, on doit connaître pour qu'on mette contre gang, toute tactique, toute petite technique pour craser gang. Pendant qu'on fait l'entraînement 21 jours avec unité spéciale de 4000 hommes, non, on va acheter des armes à l'étranger. Pas qu'il y ait un embargo aux armes pour l'État. Il y a un bac aux armes pour citoyens dans le pays d'Haïti. L'État a commandé des armes sans problème. Donc, on va entrer dans la Banque centrale, on va prendre 60 millions de dollars américains, on va acheter des armes, soit au Brésil, soit à Turquie, soit à Israël, ou bien à l'Afrique du Sud. ou bien qu'on ici, 5 côtés sans acheter ça, ou besoin de 10 à 15 chats d'assaut, ou besoin à peu près 100 mitrailles 50, ça ou capoter dans la mer, ou besoin de 2 hélicoptères de combat, ou besoin d'un drone, ou besoin de mitraille qui capace béton, côté balio capace béton et capace bloc, et l'op visé moun nan sa chaleur comme moun nan, ou besoin de lunettes à infrarouge qui permettent que policiers, soldats qui dans unité spéciale 4000 hommes nan, l'aile la nuit avec lunettes infrarouge là ou est en coussé la journée pendant que gang nan fait noir, même li pa ka wè wap keye. Donc on ensemble des armes comme ça pour besoin. Cinquième point, on a préformaté pouvoir judiciaire. Avait dit que pouvoir gang qui là, tout le monde nommé CSPJ révoqué. Pouvoir gang qui là, tout le monde nommé dans cour de cassation révoqué. Et moun yo metté dans tribunal première instance Port-au-Prince qui a protégé intérêt ou révoqué. Juge instruction que yo nommé pendant 21 mois qui sont passés là révoqué. Sixième point, on va faire un décret pour créer état de siège, état d'urgence pour garantir que et soit fait négio oligarque qui pas servi à droits humains concours RNDDH avec Espérance Matistin dans fondation J'éclairé ou bien Gédéon Jean dans ce cadre pour le saboter leur commencer touyer gang pour négio pas c'est massacre ou a fait et Croix-Rouge international vient observer toute opération blanc qui est sorti pour saboter opération craser gang yo Koulia, point qui difficile là c'est l'entrée dans point 7 là ciblage opérationnel qui va le faire à deux niveaux. Ou va le craser gang à terre, mon va le craser tête coulève là. Salvador, comment vous avez fait? Vous avez commencé avec tête coulève là. Yo sous 4 anciens présidents qui étaient dans le gang, yo mari toi, gen yon qui couille sauver Nicaragua. Yo mari oligarque yo mari leader politique qui dans gang, yo mari parlementaire qui dans gang, et yo mari juge qui dans gang. Nous-mêmes tout bon pan. Faut nous mari trois anciens présidents qui dans gang. Aristide, Privé, Martelly. Faut nous marier oligarque Pétionville qui n'en gagne. Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Edouard Bosson et Latrier. Faut nous marier leader politique qui n'en gagne. Les Nenel Kassi, les André Michel, les Ricard, Pierre et Latrier. Faut nous marier anciens parlementaires qui n'en gagne. Comment il aime encore? Les Printemps Bélisaires, les Yuri Latotti, les Gracia Delva. Faut que nous marier. Faut nous marier et juge qui n'en gagne. Juge qui a touché dans mes gangs qui l'a gué. Kouli alors fin couper tête coulève là ou pral goumer à terre avec unité 4000 hommes nan ou pral touyer et arrêter gang. Dans évaluation pas moins, n'a touyer 3500 et 4000 et 7000 la met en bas code. Ça nous met en bas code yo, nous pas ca mettre yo dans prison normale. Faut nous font prison spéciale pour gang yo dans plaine de l'Ap dans le désert, de plaine de l'Ap c'est là nous pral mettre yo. Et huitième point c'est application résolution sanction 2653 tout bon. Parce que ça, Canada fait, c'est un grien dent et une sanction qui prend pour être contre un quoi faire femme, il va comme ça. C'est pour ça que nous-mêmes nous demandons que résolution 2653, il faut appliquer le compte tout blanc américain Miami qui a voulu les armes à balle dans le pays d'Haïti. 90% des armes à balle qui entrent dans le pays d'Haïti, c'est blanc Miami qui a voulu. Il faut appliquer résolution 2653 contre eux. Faut appliquer résolution 2653 contre Moun Saint-Domingue qui a pour les armes dans le pays d'Haïti. Faut appliquer résolution 2653 contre Moun Jamaïque qui a pour les armes dans le pays d'Haïti. Donc, résolution 2653, faut appliquer tout contre tout le monde qui crée gang qui l'a eu, parce que c'est gang qui l'a eu, ils ont été créés pendant que l'opposition a fait pays là, ils ont été servis à gang pour attaquer la police, ils ont été servis à gang pour bouler 15 commissariats, pour attaquer les fondements de l'État, ils ont été attaqués FAES. Yo te attaqué ministère finance, ministère justice, primatier et latrier. Yo vous comment aucun oligarque ni leader politique qui n'en gang. Donc sanction ça yo, li lè pou y appliquer yo. Et puis point numéro 9 là, c'est tout côté que unité spéciale la craser gang yo, on dit yo fin craser gang yo dans Canaan, faut yo gen tan metton sous commissariat après, faut l'état venir avec FAES, aide socio-économique avec ministère affaires sociales pour l'état gon présence dans zone là pour gang n'a pas venir boujonner. Nous fait plan ça en 9 points, en 4 mois n'a craser tout gang yo, en 12 mois n'a retourner pays à l'ordre constitutionnel à travers des élections législatives et présidentielles. Ça sont un plan de reformatage total. Oui, le pays là, parce que parler de oligarque, Marie ancien président, c'est ça, c'est mon ça qui contrôle le pays, qui contrôle le système, qui protège le système. Donc là, on a des reformater net système, et puis redémarrer bagay. Mais c'est comme ça le fait Salvador, qui fait que Salvador Marie, tête coulève l'acté dans gang. C'est comme ça Salvador touye 4500 gangs, il mettait 41 000 en prison. et personne ne pense que Salvador a pris un pays qui gagne la paix. Et les gens qui font ça, qui n'ont tête l'État, taux de popularité, on a mis en population à 90%, tellement le peuple a content de travail qui fait là. Et les gens sont obligés de faire. Il faut nous marier Aristide, il faut nous marier Privé, il faut nous marier Martelly qui n'a pas gang. Il faut nous marier oligarques, tout Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Edouard Bosson, à tout oligarque qui n'a pas gang, leader politique qui n'a pas gang, ancien parlementaire qui n'a pas gang, ancien premier ministre, ministre qui n'a pas gang. Il faut nous marier tout. Pas de rien dans la main. C'est sans malheureux à malheureux qui a coulé là dans le pays d'Haïti. Depuis 4 ans et demi, 5 ans. Dans le premier point, Stanley, côté que vous parlez de 10 départements, et je ne vais pas mentionner diaspora là-dedans, non? Il n'est pas important. Oh non, diaspora, il faut aider les gens, il faut 22 personnes, et puis dans le temps, 22 personnes, on a choisi le premier ministre avec 18 ministres. Mais il faut des caractéristiques. Les gens ne doivent pas avoir aucun lien avec eux. Les gens ne doivent pas avoir aucun lien avec la corruption. Les gens ne doivent pas avoir des gens qui ne père oligarque avec blanc, les ovines devant qui a gardé oligarque à blanc danger. Moun sa yo besoin de compétences, capacité, expérience, yo besoin courage tout. Donc l'on joint moun qui n'a critère ça yo, chaque département a choisi 2 moun, diaspora a choisi 2 moun, la faut 22 moun, dans mi-temps 22 moun ça yo, choisi premier ministre là avec 18 ministres. OK. Donc ça est extrêmement important parce que on connaît moun dans diaspora sensible pour participer dans vie. Absolument. Et politique de notre pays. Et Stanley jodi là depuis bon série de monde tout pour aller chercher qui a compétence pour faire travail là. Par exemple dans pays et dans diaspora, il y a à peu près 30 haïtiens, c'est dans domaine ça même que yo diplômé sécurité nationale. Yo étudié dans collège interaméricain de défense. Yo gain expérience, yo gain compétence pour ça. Moun sa yo pa gain une journée jodi a que l'état a utilisé. Faut aller chercher 30 moun sa yo. Et Stanley, le gouvernement fin monter. Gen président colombien Gustavo Petro pendant il t'a participé dans sommet Ibéro-américain exactement, li font déclaration côté que li dit sont-ils co-responsables de déstabilisation qui gagne en Haïti de assassinat président Jovenel Moïse. Et qui soit dit sur ça? Bah non quelques petits détails non. À parole pour mettre des petits bébés chita. Si le président colombien a besoin d'aider nous, il faut liban nous rapport complet que l'intelligence militaire et Colombie a fait avec direction nationale intelligence. Ça veut dire toute information qui sous groupe WhatsApp, côté militaire, côté militaire Colombie, pour venir tout le président. Rapport que le président Iván Duque a fait, qui montre que les soldats colombiens, depuis un vent qui ont été déplacés, sautent dans le pays, qui ont été d'après le président, qui allaient à l'encontre de propagande, on série des nègres qui travaillent pour les gars qui fait. Donc, il y a des informations, tout que nous pouvons gagner, que nous besoin connaître. Il y a un soldat qui vient quitter dans tout le président, lycée cousin, conseiller président, politique président Duque. Est-ce qu'il y a un lien entre la présidence de la Colombie et l'assassinat président? Il y a des éléments sous implication Colombie dans tout le président que nous pouvons gagner. Au lieu de faire un paquet de parler en pile, nous, toute information, direction intelligence militaire, avec direction intelligence nationale Colombie, te joindre, laisse ça, ma prendre au sérieux. Là, c'est blague, monsieur Abay. C'est pas parler. Il faut pas oublier que, dans le sommet qu'il a participé à, c'est le président dominicain, Capsal, non pays d'Haïti toute la journée, un président raciste qui parle les haïtiens, monsieur prend des dominicains noirs, la voie dans le pays d'Haïti, c'est pour montrer aux dimensions racistes de l'initiative que Louis Abinader a fait. Et M. Aprani, il ne faut pas oublier que Abinader, son Libanais, Dominicain qui est lié, M. travaille avec Libanais, Haïtiens qui impliquent nous dans tous les présidents, notamment Dimitri Vob avec Réginal Boulos. Donc Abinader, pas le faire théâtre dans le sommet ibéro-américain pour nous-mêmes nous venir prendre la donne. Ça, c'est extrêmement important pour une hypothétique décision. Ça. Et jeudi en l'an, c'est fin de mission Madan La Lime. Et nous, ouais, Premier ministre Ariel Henry, le directeur général de la police, c'est organiser des fêtes, des réceptions, des cadeaux, des certificats. Est-ce que vous avez pour nous de passage Madan La Lime dans tête BINUH? Qui ça le régler même? Qui ça le régler avant l'aller là? Bon, moi-même, je me donne que Ariel a fait discours. Ariel dit que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, par contre, Madan La Lime vrai, et que par contre, Madan La Lime non, bagaille. Et pas plaque, nous devons bailler Madan La Lime. C'est retirer l'immunité diplomatique, mettre notre sous lui, mener la pénitentiaire nationale. Pour crime que madame ça a fait dans le pays. C'est sous Madan La Lime, il y a tout et mon ferrier d'Oval, oui. Et il bien connaît que c'est Gertie Blaise qui touille mon feuille de Val, Dimitri Vob. C'est dans le certificat, c'est dans le dossier certification juge là, et dans le laisser frapper, anti-Genson et Dumé, et Gertie Blaise qui nous vient contre vérité sur question Sahari. Les Genson et Dumé dit, c'est Gertie Blaise qui touille mon feuille de Val. Et nous connaissons Gertie Blaise, c'est lui-même Dimitri Vob qui a le mettre pour remplacer. Mais tout d'or, c'est là où vient le trafic d'amnan. Donc, même pas comprendre que, on madame qui est impliquée dans tout crime ça qui fait sous pays, c'est madame nan, qui doit consacrer les Genève gangs fédérés, son bon bagage qui est lié. Et, les diminuer crime en dedans pays, kidnapping de 12%. Pendant que l'opposition a fait pays loc, il a boulé le commissariat, il a tiré sous la police, il a attaqué le ministère, il a monté fantôme 509, Madan La Lime, pas de rien, non? Organisation criminelle, fantôme 509 monté en bas de Dimitri Vob. Madan La Lime, pas de rien, non? 12 juillet, l'organe des capacités espionnage Nations Unies en Haïti. Madan La Lime, pas de capa au courant qui aura le tout président. Donc, c'est pour l'impliquer directement dans tout président, ou bien tant qu'on pense Pilate qui quitte le crime, en fait. Nous devons marier madame, non? Mais Madan La Lime vini avec projet ACTA lui-même qui te proposé. Eric Jean-Baptiste dit non, le pape signe. Parce que s'il signe un bagage ça, il va le tourner pour Pétrole. Il va pas pour Pétrole, Ariel Henry qui est impliqué dans tous les présidents qui n'en gang. Il va pas pour Pétrole, oligarque Pétionville qui n'en pouvoir gang. Eric Jean-Baptiste pas d'accord pour signer. 28 octobre 2022, il a tout Eric Jean-Baptiste, Madan La Lime. Comme s'il va pas qui est-ce qui tout Eric Jean-Baptiste là. Comme si Madan La Lime, par contre, trois secteurs qui touillent Eric Jean-Baptiste là. Qui secteur ça, vous connaissez? Oui, Madame Manigal, elle a prêté serment dans le ministère du Commerce, soit affaire ACTA. Madame n'a pas dit un mot non pour Eric Jean-Baptiste, vous touillez. Madame n'a pas dit un mot non pour Eric Jean-Baptiste, vous touillez. Et vrai, Madame ça, l'idée m'est allée, nous douer Madame son menotte. Parce que qu'on côté nous arriver. Avec enquête sur assassinat président, madame ça impliquée dans tous les présidents. N'a pas aimé notre travail. Et qui ça nous attend de Maria Isabel et Salvador pour remplacer Madan La Lime? Est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est même logique, garder pas faire rien, ou bien est-ce que espérer qu'il y ait un changement qui peut être dans tête BINUH? Bon, objectif est toujours les mêmes. Il faut que les journalistes haïtiens prennent contact avec les journalistes pareils au Équateur. Pour dire madame ça comme ministre des Affaires étrangères, Équateur, elle était ministre des Affaires étrangères, les journalistes de gauche, les journalistes de droite, Équateur, pour nous connaître qui est madame Naye. Okay. Est-ce que c'est intérêt économique par le vient défendre le pays d'Haïti? Est-ce que madame ça a débarqué là, il y a un lien avec l'oligarque, c'est pour ça qu'on choisit? Tout le bagage ça, il faut aller chercher. Moi-même, c'est toujours comme ça, je me lage de ces mensonges, et puis devant le bras l'ouest. Est-ce que madame ça a été qu'on protéger les droits des minorités en Équateur ou bien est-ce qu'elle était qu'on marcher sous droits des minorités en Équateur? Nous regardons déjà l'Équateur, viennent voir les plans mango francique dans le pays d'Haïti, contrairement mango francique que Haïti a pour vendre mango francique de façon préférentielle aux États-Unis, je ne dis pas c'est l'Équateur qui a fait. Est-ce que c'est ça qui vient défendre? Mango francique qui vend 2 pour $5 aux États-Unis. Haïti, mango francique que l'Équateur voyait, c'est avec plan mango francique Haïti qu'elle fait. Donc, à tous les coups, bonne question de vous. Faut nous garder profil madame là qui savent régler tout bon. Eh bien, nous là, nous avons cherché information. Parce que nous connaissons des... Est-ce que l'occupation que l'oligarque qui a cherché pour que blanc vienne protéger, militaire blanc vienne protéger l'oligarque dans le pays d'Haïti, blanc que l'oligarque qui a baissé à Madan La Lime depuis mois de juillet, il a cherché une occupation tout partout qui est jouée. Est-ce que c'est plan ça que madame là vient appliquer? Pour qui ça pendant 21 mois, même ça blanc a fait en Ukraine, Canada, pendant la visite de Joe Biden, non, nous donnons devant le Parlement canadien, le Premier ministre Canada a fait un discours, côté la fête Jorler, mais combien d'artillerie qu'elle voyait, mais combien de canons qu'elle voyait en Ukraine, mais combien de balles qu'elle voyait, mais combien de temps, et puis nous-mêmes, nous sommes nous pays d'Haïti, sans nous couler dans le rigole depuis 21 mois, et puis tirer ça, il va jamais voir les armes dans le pays d'Haïti pour qu'on mette contre gang. Et qui même blanc ça, ma brave aussi de ça, yo qu'un Trudeau trois fois dans peinture figure en noir. Léon blanc peinture figure en noir, son blanc cap dénigrer moun noir comme si c'est macaque, c'est gorille koyo pas moun. Et ma petit haïtien ou pas oublier que l'état gen génocide blanc t'a fait Rwanda, son général canadien créé les Roméo Dallaire qui était commandant groupe onusienne au Rwanda qui était qu'à empêcher le génocide de la fête, général canadien ça a quitté le génocide de la fête. Moi-même, nous n'avons pas de problème à peuple Canada qui bien vivre avec les Haïtiens, mais contre une minorité raciste Canada, il faut nous faire très attention avec eux et tout là-dedans. Parce que nous entendons, il y a comprendre. Mais Stanley, là, nous entendons que le Premier ministre canadien fait connaître que le Canada disposait près de 100 millions de dollars là pour bailler PNH équipement. Sans penser de déclaration ça. Qui équipement le bail là? Premier bagage là, est-ce que 100 millions c'est ONG qui va le bailler? Est-ce que 100 millions de dollars américains zam ça? Est-ce que c'est ça nous besoin? Ça là, mais nous avec la police, nous besoin? Nous avons une politique raciste avec nous, nous avons une démocratie, et puis nous ne voulons respecter la Constitution. La Constitution nous dit qu'il y a deux forces dans le pays d'Haïti. Il y a l'armée et la police. Dans la politique raciste qui a mené, il y a marché sous pied la Constitution, nous ne voulons pas reconnaître l'armée, nous ne voulons pas l'armée nous sommes parce que nous connaissons l'armée à craser gang, parce que nous connaissons qu'avec l'armée à craser gang, blanc globaliste corrompu, qui besoin de voler, iridium, bauxite, cuivre, l'or, gaz naturel que nous combattons, si nous avons la même pape qu'a fait, même terre là, qui c'est lui-même qui a besoin plus en Haïti. Qui c'est que terre là, auditeur? Parce qu'il faut qu'on ait information pour qu'on défende l'intérêt. Terre là, ça avec lui, il fait ça, les chips qui sont dans le téléphone, chips qui sont dans le computer, avec les semi-conducteurs. Tout bagage qui a fait journée aujourd'hui à électronique dans le monde là, et il a besoin de semi-conducteurs. Ça veut dire que demain matin, là, si on la guerre entre les États-Unis et la Chine prend Taïwan, il ne faut pas oublier que Taïwan, c'est un premier producteur de semi-conducteurs qui est lié. Donc, pays nous automatiquement vient plus valeur avec des rares que nous gagnons, qui vaut des milliards qui dans le pays d'Haïti. Blanc comprennent que nous égarés, oui. Et pour motif économique, ça, oui, que Blanc mettait avec oligarque pour tout les Jovenel, oui. Parce que ouais, si Jovenel continue à renforcer l'État, il ne va pas faire ça ouvrir dans le pays d'Haïti, oui. Mais c'est pour ça, Blanc, bon politique, tête chat qui l'a fait, migratoire, côté toute classe moyenne qui a compétence et capacité qui est claire, il y a pour à l'étranger pour gagner mon dans le pays, pour défendre le pays. C'est vrai? Stanley, bonne question d'armes pour vous. Avec question et tout le temps, il y a des États-Unis qui mettent en barreau les armes sur Haïti. Est-ce que le gouvernement haïtien, est-ce que l'État haïtien n'a pas choisi de tourner vers d'autres pays pour acheter des armes, acheter des munitions? Pas un embargo sous armes. Qu'est-ce qui se passe? Son mythe qui est lié au conseil des mondes qui a répété. Il y a un embargo côté citoyen pas commander des armes. L'État haïtien n'a pas commandé des armes. Mais qui n'a pas pêché au fait? Il a commandé des armes en Israël déjà. Donc, ça veut dire que l'État haïtien a capacité de commander des armes, nous commandons des armes en tant que pays et par Israël. Nous autres, pour aller à pays, nous commandons des armes que nous besoin. Brésil, c'est une. Afrique du Sud, c'est une. Corée du Sud, c'est une. Israël, c'est une. La Turquie, sont l'autre. Quels 5 pays qui ont commandé des armes que nous besoin? C'est une question de volonté que pas gain. Vous pas voulu. Bon, Ariel besoin de créer conditions pour faire blanc débarquer pour oligarque. C'est pour ça Ariel va gagner l'autre. Nenel Kassi va gagner l'autre, faire son peuple à couler pour forcer l'occupation. Ouais, malgré tout, pays a fait résistance. D'après vous, pour qui ça depuis 21 mois, vous t'étendez sous vidéo pour passer dans l'émission là, colonel la Capti, colonel la médaille qui dit debout bal chadas, debout bal hélicoptère, crasé gang yo bien vite. Pour qui ça depuis 21 mois, vous pas les bail. Parce que blanc, globaliste, corrompu, qui besoin de voler, ça combattre dans le pays d'Haïti, il besoin d'intervention militaire pendant militaire souterrain, il besoin de son base militaire haïtien, pas entrer là-dedans, et puis la voler, ça combattre. Ouais, ça n'est que fait Congo, ils mettent un paquet de gang Congo pendant gang y a goumé, et puis ils a volé tout ça combattre pays Congo, ils a volé cobalt, ils a volé iridium, ils a volé tout ça au besoin de battre pays Congo. Nous ne devons pas quitter ça arriver, nous. Nous sommes intelligents. En pile fois, petit Dessaline, petit tout ça l'ouverture. En pile fois, origine conflit, c'est même international là. Moun qui gen profit, ont besoin de tirer dans prison, c'est même yo même en pile fois qui crée gang yo, qui arme gang yo, a fait bataille et puis entre-temps y a gérer a fait par yo. Yo détourner attention. Ouais, Madan La Lime te tout comme ça que son bon bagage qui gang yo fédéré. Comme si moun pas clair. Stanley Lucas. Madan La Lime bien connaît que Genève, c'est dans mes boulots lorsqu'il était. Ou bien vidéo Genève côté, Genève Abdou, c'est boulots qui convoyait, c'est eux qui convoyaient Bali, vidéo est disponible. Comme si Madan La Lime pas comme ça. Ouais, moun y a mis des sanctions, je me sanctionné Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Réginal Boulos, qui n'a tous les présidents et qui n'a gang. Pour qui ça a protégé eux? Ou devez poser question ça eux? Le mot de la... Faut pas poser question pour hein? Ah oui, faut nous poser question pour nous jeunes réponses. Stanley, nous allons finir et le mot de la fin, c'est qui ça lié? Bon, ça n'a pas mené là son combat existentiel qui est lié. Et bon, c'est des blancs qui comprennent haïtiens, c'est égaré. Mais heureusement, nous-mêmes, nous pas oublier l'héritage que Dessaline, Toussaint Louverture, Christophe Cabral la mort quitté pour nous. Et stratégie qui ont été quittée pour nous. Tout ça blanc, on est apprenni et vient plus fort que blanc là-dedans. C'est comme ça les pères de l'indépendance qui étaient très intelligents, plus intelligents que blanc, t'es calé blanc. Haïti, son choix Saint-Jacques que blanc va venir monter n'importe qui gens. Haïti, c'est Tibois ça, sous papa attention, il est toujours PTG blanc. Et Tibois ça, c'est PTG blanc. En 1804, qui crase le système esclavagiste. Jodi a nous fait face à même menace existentielle ça. D'ailleurs, regardez des vidéos, on blanc Canada, grâce qui a parlé sous ces vidéos, à moi qui les sous réseau. Ouais, blanc monté jusqu'à Dessaline pour le montrer qu'elle va payer, non, mais. Blanc retourné jusqu'à Dessaline, blanc va payer. Allez-y, que n'est-ce pas oublier, ça nous te fait. N'est-ce que tu es content avec le système esclavagiste, côté aucun pied sous nous, et puis après, nous pas nous, c'est choix, le bourri qui nous t'es. Et c'est dans le pays d'Haïti, on fait une anarcho-populiste avec oligarque qui mettent leur culture, qui veut faire oublier ça nous est. Ça Dessaline Christophe qui a pris la mort et qui était pour nous. Allez remembrer l'esprit pour qu'on mène les gourmets qui n'a pas là. Parce que gourmets ça est bon justice pour Jovenel Moïse seulement que lié. Son justice pour nous-mêmes en tant que peuple, conseil des blancs, veut mettre les pieds sous coule. Et eh bien, Stanley, nous merci pour la disponibilité aujourd'hui à l'émission. C'est sûr que message le passé, nous allons recevoir message. Et j'espère qu'il y a un paquet d'autres occasions pour nous continuer par le pays. Bon, c'est moi pour remercier Yannick, parce que je dis franchement, Yannick, si ce n'est pas de courage, ou courage Foucault, courage Bousta, courage Beto, courage Mézin Lacaille, et Jimmy TV a fait bon TV, bah ça yo. Si ce n'est pas de courage, nous, là, qui kembe pendant 21 mois, le pays ça a entravé. Donc, il faut me féliciter, nous. Et le pays a doué nous une médaille. Le pays a doué reconnaître que nous, c'est des grands patriotes qui, à un moment historique, te prennent responsabilité, nous. Les livres d'histoire, à l'écrit, nous, allons gagner place, nous, dans l'histoire avec Goulia. Bon Dieu, nous, kembe là. Merci, Ampil. Bon dimanche. Avec nous, c'était Stanley Lucas. Nous sommes parlé sur la situation paysanne, nous sommes parlé de départ, de cette mission de départ Madan La Lime dans tête BINUH. Nous sommes parlé de rebondissement qui gagne dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse suite à accord et qui passait entre Rodin Jorler avec procureur américain et procureur fédéral et Monica Castro dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il est extrêmement important pour même auditeurs, auditrices, ou même qui a regardé, ou même qui a entendu internautes, pour nous comprendre que, jodi en là, on a une réelle nécessité en tant qu'haïtien, en tant que citoyen haïtien, pour nous impliquer nous davantage dans la question pays. Pas occuper aucun monde qui a bon limite, pas occuper aucun monde qui a douce la pauvreté, ou bien dans diaspora, bagay pays, bagay, tu vas concerner, non. En tant qu'haïtien, je ne dis pas que nous continuons à assumer responsabilité. Nous n'avons pas qu'à continuer, nous n'avons pas qu'à accepter que un président qui était élu à travers les élections, un président démocratiquement élu qui était bon mandat, pour des questions politiques, pour des questions d'intérêt économique, pour nèg yo fait complot, yo assassiner, et puis pour n'accepter que tout bagaille juste passe comme une lettre à la poste. Non. C'est ça qui est extrêmement important pour nous rester attachés avec les dossiers, pour nous rester attachés avec le procès, pour nous rester attachés avec l'instruction de dossier à faire en Haïti, pour nous arriver faire lumière sur le dossier. Est-ce que lumière la fait demain? Est-ce que la fait dans un an? Est-ce que la fait dans 10 ans? Est-ce que la fait dans 25 ans? Mais tôt ou tard, il faut que la vérité éclate au grand jour pour nous connaître exactement qui ça qui vivait le président Jovenel Moïse et dans qui circonstance vraiment président yo assassinel. Donc, c'est un véritable plaisir pour nous être ensemble jeudi. Rendez-vous en cassé demain dans une autre vidéo pour une autre émission. Pas oublier, partager vidéo. Si vous pouvez abonner, je vous invite à abonner à la chaîne. C'est un grand plaisir pour nous être avec nous. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, tendez ça. Ou c'est haïtien, ou aimez pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sauf s'il le dit pour y faire vendredi, depuis il fait 2 heures, je suis Chanel Paola pour qu'il y ait formé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la validée, nous prenons le débat.